Voilà, bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Goedenavond allemaal en welkom op deze wekelijkse sessie. Hartelijk dank om vanavond hier aanwezig te zijn. Zoals gewoonlijk beginnen wij met de COVID-cijfers en de evolutie met vandaag een speciale focus op de ventilatie. Ik ga even mijn scherm delen. Voilà, c'est un graphique que j'avais montré déjà la semaine dernière. Donc voilà l'évolution, la mise à jour d'aujourd'hui sur base des chiffres de Sciences Anneau. Alors, vous voyez que la commune de Crenem, eh bien, pour l'instant, ça va bien. Donc nous sommes pour l'instant dans une bonne tendance. On a pour l'instant suffisamment... Oups, pardon. Nous avons suffisamment pour l'instant de baisse, de diminution des cas, mais il faut évidemment que cela continue. Donc il faut absolument garder les gestes barrières. Vous savez qu'il y a toute une série d'activités qui sont à nouveau possibles, mais il faut absolument que nous continuions à faire attention et à garder le contrôle sur ce foutu virus. Voilà. Donc, comme la fois dernière, on a pris une série de communes comparables, proches de Bruxelles, entre autres les communes à facilité et les communes qui font partie de notre zone ELZ, vous savez, notre, ce qu'on appelle la Eerste Lijnzone, dus de gemeente Tervuren, Rouillard, Overijse, voor het vaccinatiecentrum van Overijse. En de gemeente Wezenbeek, Zaventem en Crenem voor het vaccinatiecentrum van Zaventem. Voilà. Dus een gunstige evolutie voor onze gemeente op dit moment, maar gewoon de boodschap is en blijft dat wij dus gewoon heel waakzaam moeten zijn en heel voorzichtig moeten blijven voor de volgende dagen en weken. Misschien ook interessant... om vandaag toch even te focussen op de ventilatie. Het is dus, het komt dus gewoon meer en meer in aanmerking. Het is dus eigenlijk ook een van de topics geweest van de laatste communicatie van de federale overheid. En ik had eigenlijk heel graag dit willen zien. Het is eigenlijk de... wat ze noemen de Swiss cheese model. Dus je ziet dus gewoon allemaal sneetjes van Zwitserse kaas. En één maatregel is niet genoeg in de strijd tegen het virus. Er zijn allemaal maatregelen die genomen moeten worden en die samen dan het risico op besmetting sterk kunnen laten dalen. Vous voyez les différentes mesures qui correspondent chacune à une tranche de fromage suisse dans laquelle il y a des trous. Et ces trous, évidemment, il faut essayer qu'ils deviennent les plus petits possibles, ou en tout cas qu'il y ait le plus de tranches possibles pour qu'il n'y ait plus de trous qui passent de la gauche vers la droite et qui risquent donc de contaminer les gens. Vous voyez qu'une de ces mesures qu'on a indiquées avec la flèche rouge ici, c'est la ventilation, qu'il faut absolument pousser. En été, c'est pas trop difficile parce qu'évidemment, on peut ouvrir les portes et les fenêtres. En automne et en hiver, c'est un petit peu plus compliqué. Comme vous le savez, c'est la raison pour laquelle nous avons au sein de la commune distribué toutes sortes de capteurs CO2 pour voir dans quelle mesure on pouvait encore améliorer la ventilation naturelle en été et alors évidemment quand il fait plus froid avec des moyens mécaniques. Bon, ça ne s'installe pas du jour au lendemain, donc plus on commence rapidement, mieux cela vaudra. Alors, c'est une chose sur laquelle je voudrais quand même insister aussi, donc présenter différemment. Vous voyez, c'est très schématique évidemment, mais je pense que c'est représentatif. Vous voyez ce qui se passe, les deux images du dessus, il n'y a pas de ventilation, les deux images du dessous, il y a de la ventilation ou de la filtration. À gauche, les deux images de gauche, il n'y a pas de masque. Les deux images de droite, il y a un masque. Alors évidemment, sans surprise, la plus mauvaise situation, c'est celle où il n'y a pas de masque et pas de ventilation.
La meilleure situation, c'est celle où il y a de la ventilation et un masque. Voilà, dit dus, dus Norris om nogmaals om te insisteren over het belang van ventilatie, uiteraard ook het dragen van mondmaskers. Dus de slechtste situatie is waar dat er geen masker is en geen ventilatie. De beste situatie is wanneer dat en masker en ventilatie aanwezig zijn. Voilà, dus wel de moeite. Dit is, ik heb hier een, de referentie van een artikel genoteerd. Het is een vrij technisch en vrij complex, maar voor diegenen die daar interesse voor hebben, is het zeker interessant. Ik ga nog even laten, iets laten zien. Donc, c'est le, un programme paru récemment sur VRT News qui vaut vraiment la peine si vous avez l'occasion de regarder. Donc, vous voyez, le titre est assez évocateur. La ventilation avec en flamand, c'est donc la vrijheid met de vivre ventilatie. En français, ce serait la liberté avec le V de ventilation, donc ça ne marche pas, mais le message est quand même que donc la ventilation, une bonne ventilation, va certainement nous permettre d'améliorer encore la situation et de pouvoir alors envisager une vie la plus normale possible dès que on pourra et que la plupart des gens seront vaccinés. Voilà, ça c'était pour la partie corona, donc les chiffres, on a bien insisté sur la ventilation. Alors aujourd'hui, on a deux autres projets dont je voudrais vous parler brièvement. C'est pas lié au corona, parce qu'il n'y a quand même pas que le corona dans la ville, la commune, et c'est le parking métro Crenem, de même que la piste cyclable de l'avenue du Haar. Dus even een paar woorden over de parking van het metrostation Crenem en het fietspad van de Duartlaan. Nieuwe parking of het project van parking naast het metrostation Crenem voorziet eigenlijk 750 plaatsen, betekent eigenlijk 600 plaatsen extra vergeleken met de huidige situatie. En die wagens kunnen wij natuurlijk wel niet op die plaats aanvaarden. Waarom? Omdat het dit rechtstreeks een impact zou hebben op de Wezenbeeklaan die al veel uren per dag verzadigd is. Er is recentelijk een milieuattest afgeleverd door Brussel Leefmilieu voor dit project. En dat is eigenlijk begin maart gebeurd. Een milieuattest, maar nog geen stedenbouwkundig attest. Dus we zijn er natuurlijk wel, we volgen de situatie op de voet, om er zeker van te zijn dat de mening van de gemeente Crenem eigenlijk ook dus op de gepaste manier gecommuniceerd zal worden. Het college heeft al dus deze week gereageerd. De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe heeft eigenlijk ook gereageerd. En het is de bedoeling dat wij zo veel mogelijk gaan insisteren over de mening en het standpunt van de gemeente Crenem om onze visie te verdedigen. Donc, vous connaissez ce projet. Nous avons déjà pas mal communiqué à ce sujet. Vous savez que la commune de Woluwe-Saint-Lambert a réagi officiellement par rapport à cette attestation d'environnement qui a été délivrée par Bruxelles Environnement le 1er mars. Il n'y a pas encore d'attestation d'urbanisme, mais évidemment, nous n'allons pas rester les bras croisés. Et nous comptons suivre ce projet de près. Nous avons d'ailleurs, au niveau du collège, déjà réagi cette semaine et comptons évidemment faire le plus rapidement possible, prendre les étapes suivantes pour être certain que ce projet ne se fasse pas à cet endroit-là. Donc, on n'a rien contre les parkings de dissuasion, évidemment, mais pas question de le mettre, en ce qui nous concerne en tout cas, à cet endroit-là, puisqu'il va déjà
Il va en plus, il va complètement surcharger l'avenue de Wezembeek qui est déjà saturée à pas mal d'heures, durant pas mal d'heures tous les jours. Voilà, c'est un belangrijk project dat wij zeker zullen opvolgen en waarvoor wij uiteraard het nodige zullen doen. Un autre projet qui est très intéressant et qui est un petit peu un chaînon, le chaînon manquant qui, entre différentes pistes cyclables qui existent déjà, c'est la piste cyclable le long de l'avenue du Haar. Alors, comme vous savez, on en parle depuis longtemps, c'est un projet qui est très intéressant, mais pour lequel il n'y a pas de solution évidente. Alors, pour vous le montrer, je vous propose de regarder la situation. Je vais peut-être enlever la partie sticky notes qui n'est plus nécessaire. Voilà. Alors, vous voyez que la situation, par exemple, de la piste cyclable de l'avenue Reine Astrid, c'est en direction du sud, juste avant d'arriver au rond-point Baudouin. Vous voyez ce qui se passe. Il y a un trottoir, et puis une piste cyclable, et puis le parking, et puis la voie pour les voitures. Est-ce qu'une telle configuration serait possible avenue du Haar? Eh bien, malheureusement, non. Il ne manque pas 3 mètres, mais il manque de l'ordre de grandeur d'un demi-mètre pour le faire dans les règles. Et donc, ça n'est vraiment pas évident. Une autre possibilité serait de mettre ce parking, de déplacer le parking et de mettre les voitures entre les arbres, au milieu de la berme centrale de l'avenue du Haar, sur les côtés entre les arbres. Alors ça, ce n'est pas une très bonne option non plus, parce que ça voudrait dire que la plupart des arbres risqueraient d'en subir les conséquences et en fait n'y survivraient pas. Deuxième point, esthétiquement, évidemment, ce n'est pas très souhaitable. Troisième point, le souci, c'est évidemment les gens qui devraient alors traverser à partir du parking pour aller soit rendre visite à des gens qui viennent voir, ou bien simplement des gens qui, pour des raisons ou pour d'autres, ne peuvent pas parquer devant chez eux, et alors devraient traverser et l'avenue et la piste cyclable avec des courses, éventuellement avec des enfants, et toutes sortes d'autres limitations de ce genre qui font que cette option-là n'est vraiment pas évidente. Alors, quelles sont les... Vous voyez que là, on reprend une comparaison. Vous voyez que ce n'est pas si évident. Donc, l'avenue du Haar, qui paraît très grande à certains endroits, à d'autres, est un petit peu plus limité dans les possibilités. Donc, vous voyez, à droite, déplacer le parking et mettre une piste cyclable et garder suffisamment d'espace pour les voies des camions et des autobus, c'est pas possible. Et mettre les voitures entre les arbres ici, donc sur la berme centrale, mais d'un côté et de l'autre, ce n'est pas une bonne option non plus, parce que ce serait mauvais pour les arbres. Esthétiquement, ça ne va pas, et ce serait dangereux pour les gens qui doivent traverser. Dus, geen evident alternatief, zeker geen klassiek alternatief, zoals bijvoorbeeld de Koningin-Strietlaan. Dus wat moeten wij dan doen? Een van de denkpisten zal zijn een fiets, geen fietssuggestiestrook, maar een fietsrijstrook naast de parking. Dus zoals bijvoorbeeld hier de Grote Prijzenlaan, zouden wij dus gewoon het voetpad hebben, dan de parking en dan een fietsrijstrook. Eventueel van verschillende kleuren, er zijn verschillende mogelijkheden. Dit uiteraard in de veronderstelling dat de veiligheid van de fietsers gegarandeerd kan worden. Dus een van de evidente problemen is uiteraard, wat als iemand hier zijn deur open doet? Het is niet evident. En dit moet grondig gecheckt worden, vooraleer wij dus gewoon verdere stappen in die zin zouden zetten.
Dus dit moet sowieso geëvalueerd worden in het kader van een commissie mobiliteit. En men gaat dus gewoon uiteraard even kijken wat de mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld een van de denkpistes ook zou zijn wat voor de gouvernementsweg bijvoorbeeld. Of misschien zijn er ook alternatieven langs de lawaaimuren, langs de ring. Ja? Veel mogelijkheden bestaan, maar we zijn er nog even mee bezig. En wij hopen dat we gewoon binnenkort een commissie mobiliteit zullen kunnen organiseren om hierover dan formeel over te spreken. Voilà. C'était l'essentiel de ce que je voulais vous dire sur ces différents thèmes aujourd'hui. Je propose de passer à la séance des questions-réponses. Je vais prendre, on voit qu'il y a deux, trois questions, deux, trois réactions. Merci à ceux qui les ont posées. Un commentaire sur le Swiss cheese. Donc merci Olivier, ce n'est effectivement pas une raclette, mais ça y fait penser. Mais donc gardez s'il vous plaît. Merci effectivement de ce commentaire. Mais donc gardez cette image du Swiss cheese. Je pense que c'est essentiel de se dire que ce sont toutes ces mesures prises individuellement, les unes derrière les autres, qui vont nous permettre de pouvoir alors garder le contrôle. Il n'y a malheureusement pas une seule mesure qui est ce qu'on appelle le silver bullet qui va permettre de terrasser ces virus rapidement. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. On va avoir besoin de plus de mesures, toutes des mesures individuelles, le masque, la distanciation, le gel et surtout la ventilation, puisque vous savez que de plus en plus, il est évident que le virus se transmet par aérosol. Ces aérosols, ce sont ces toutes petites particules qui restent dans l'air pendant longtemps et qui font que, par exemple, quelqu'un qui entrerait dans une pièce vide, mais où il y a eu des personnes contaminées sans ventilation, eh bien, cette personne pourrait être contaminée même plusieurs minutes après que les dernières personnes contaminées aient quitté la pièce. Donc, l'importance absolue de cette ventilation pour lutter contre ce virus. Alors, d'autres questions. Le nombre de vélos qui utiliseraient cette nouvelle piste cyclable par jour. Alors, ça, c'est une excellente question à laquelle il est très difficile de répondre parce que, si vous voulez, on ne peut pas simplement extrapoler les vélos qui passent aujourd'hui, il y en a très peu, mais c'est un peu la poule et l'œuf. Hein. Si on installe une piste cyclable correcte, il est très possible que de plus en plus de gens vont l'emprunter, puisqu'il y aura à ce moment-là la jonction entre les pistes cyclables qui existent déjà, auxquelles il manque le dernier bout. J'ai oublié de dire ça, mais il faut effectivement le mentionner. Le dernier bout de l'avenue Reina Street doit être fait dans le courant des prochains mois. Dès le moment où on aura cela, plus, alors à ce moment-là, toutes les pistes cyclables qui existent, alors du côté Tervuren, et on ne va pas revenir sur le débat de la piste cyclable le long de l'avenue Tervuren, dans le bois en direction de Bruxelles, mais tout ce réseau, d'une façon ou d'une autre, va quand même se densifier, et à ce moment-là, il est possible qu'on ait beaucoup plus de cyclistes qui l'empruntent. Alors, vous savez qu'il y a un compteur de vélos le long de l'avenue Reina Street, juste avant le petit parc Reina Street. Et là, vous voyez quand même qu'il y a pas mal de passages. En temps normal, on est quand même très facilement au-delà de la centaine de vélos par jour, voire plus. Alors, dès que les conditions sont bonnes, on dépasse et on approche alors facilement les 200 vélos par jour. Ce n'est pas une extrapolation, ce n'est pas une comparaison avec ce qu'on aurait avenue du Havre, mais dès le moment où on aurait une piste cyclable correcte avenue du Havre, il est possible qu'à ce moment-là, on ait un effet d'appel et qu'on ait beaucoup plus de trafic alors cycliste. Pour que les choses soient claires, on l'a déjà dit, mais je pense qu'il faut le répéter, il n'est pas question que ça se passe au détriment des voitures.
Donc, ce n'est pas parce qu'on favorise les vélos, favoriser, ça ne veut pas dire défavoriser les voitures, ça veut dire rendre la circulation à vélo plus sûre et plus intéressante, et en tout cas plus attractive. Alors, à ce moment-là, eh bien, ça peut justifier, mais il n'est pas question que ça se passe au détriment des voitures. Donc, soyons tout à fait clairs à ce niveau-là. Oui, alors, oui, bonne suggestion pour l'avenue, la piste cyclable en terre entre les arbres. Mais, il y a plusieurs mais. La piste cyclable en terre-terre, je dirais, c'est dangereux parce que, évidemment, avec les feuilles, tout ça, ce serait extrêmement glissant. S'il y a de la boue, tout ça, ce serait glissant, dangereux. Et il y a aussi le fait que cette solution de la piste cyclable entre les arbres, donc au milieu de l'avenue du Hard, ne recueille pratiquement aucun suffrage. Donc il n'y a personne qui veut cette piste cyclable au milieu des arbres pour plusieurs raisons, raisons esthétiques, mais aussi surtout pour les nombreuses personnes qui se promènent à cet endroit et pardon, qui souhaitent garder alors cet endroit comme espace de promenade et pas le voir pris en partie ou réservé en partie par une piste cyclable. Sinon, effectivement, cela pourrait se justifier. Effectivement, ce qui se passe à Mutterburn, c'est un endroit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large. Il y a beaucoup plus d'espace qui permet, par exemple, en face des trois couleurs, hein, on a non seulement une piste cyclable, mais il y a aussi beaucoup plus d'espace alors pour se promener. L'avenue est beaucoup plus large que l'avenue du Hard. Effectivement, Renaud, bon commentaire. Il y a un problème de sécurité. Alors, si on mettait une piste cyclable au milieu, on aurait en plus des problèmes donc d'esthétique, de promenade, ça, il y aurait aussi la problématique de la sécurité, puisque cette piste cyclable traverserait toute une série de voies perpendiculaires qui permettent de faire la jonction entre la partie est et la partie ouest de l'avenue du Var. Donc ça, ce serait dangereux aussi, parce qu'on serait à la limite probablement obligé de couper un certain nombre de ces traverses perpendiculaires. Et là aussi, évidemment, ça aurait un impact et ce serait probablement pas souhaitable pour la plupart des riverains. Je regarde effectivement. Alors oui, donc voilà, c'est un débat qui a eu lieu à de nombreuses reprises. On a déjà souvent parlé en interne, ça a déjà souvent été évoqué à la commission mobilité. Et donc la piste cyclable au milieu entre les arbres de la Biliard, pour l'instant, ce n'est vraiment pas une piste retenue. Donc soyons très clairs à ce niveau-là. L'effet probable, oui Olivier, l'effet probable du futur projet à Oulu-Saint-Pierre près de Saint-Alix. Alors, les habitations qui sont prévues là, vous savez de quoi il s'agit. C'est quand vous descendez l'avenue des Dames Blanches, avant de tourner à droite vers la place Saint-Alix, il y a un grand champ sur la gauche et il y a là un projet immobilier d'envergure. Et ces habitations, évidemment, les gens, il faut bien qu'ils arrivent, il faut bien qu'ils arrivent par quelque part. Et ça aurait fatalement un impact sur l'avenue du Hard. Donc là aussi, nous sommes vigilants. Merci de l'avoir rappelé. C'est quelque chose que nous devons tenir à l'œil et dont nous devrons parler effectivement avec notre commune voisine. Donc là, c'est sûrement un projet qui aurait un impact non négligeable sur la mobilité dans la commune. Voilà. Alors oui, je vois encore un commentaire, effectivement. Merci.
Donc, prévalence en poste, donc c'est le projet immobilier. Je lis, hein, un trottoir a été remplacé par une piste cyclable. Bon, évidemment, sur un petit morceau à partir du triangle, bon, ce n'est pas l'idée. Hein. Donc, l'idée, bon, quand on ne peut pas faire autrement, disons que sur des espaces limités, on peut avoir les deux, mais l'idée n'est évidemment pas de favoriser les pistes cyclables au détriment des automobilistes ni des piétons. Donc vous avez une autre situation juste en face du délitrateur, où là sur quelques mètres il y a vélo et piétons. Donc cette situation là n'est pas souhaitable non plus. Et donc là, dans ce genre de cas, eh bien, celui-là a déjà été signalé, mais si vous avez d'autres cas de situations potentiellement dangereuses comme celle-là, il faut les mentionner. Et alors, on peut voir alors ce qu'on peut faire. Je vois encore d'autres. Voilà, je vois plus d'autres commentaires. Je ne pense pas en avoir oublié. Voilà. Donc, eh bien, je vous remercie alors de votre attention. Hartelijk dank om vanavond aanwezig te zijn. Dus fijne avond. En graag tot volgende week. Dus in principe zonder tegenbericht vrijdag om 18 uur. Tenzij natuurlijk dat de federale overheid dus wel belangrijk nieuws zou hebben. Wij hopen dat de situatie van de coronapandemie gunstig evolueert. Blijf alsjeblieft voorzichtig. Het is nog niet voorbij. Het gaat beter, maar het is nog niet voorbij. Dus denk aan uw Swiss cheese, aan uw kaas. En wees alsjeblieft voorzichtig. Voilà. Fijn weekend en tot heel binnenkort. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir été là ce soir. Alors, à la semaine prochaine. En principe, alors le vendredi, comme d'habitude, à 6h. Et surtout en gardant alors toutes les mesures de sécurité possibles. La crise n'est pas finie. La situation s'améliore, mais on doit toujours rester vigilant et garder les mesures de sécurité. Pensez à ventiler vos espaces intérieurs et surtout à éviter les endroits confinés où vous risquez d'être en présence de gens qui pourraient potentiellement être contaminés. À ce moment-là, soyez vigilants, gardez vos mesures de sécurité et excellent week-end. À très bientôt. Merci beaucoup.
Ah.